Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient. Merci pour votre fidélité, vos likes, j'adore, n'hésitez pas. Eh bien, aujourd'hui, on va voir un thème qui rêve de vous. Eh bien, très intéressant. Et tout de suite, j'ai une carte qui se retourne. Eh bien, qui rêve de vous? Pensez un petit peu à votre vie. Peut-être on va voir de quoi est la réponse maintenant, votre futur. Et vous savez, tout de suite, j'ai une carte qui se retourne. C'est quand même un homme pour qui les sentiments, les émotions sont très importants. Eh bien, c'est peut-être quelqu'un qui est amoureux, sachez cela. Eh bien, on va voir tout ce qui concerne cette personne. Qu'est-ce que nous devons savoir par rapport à lui, son caractère? Et vous savez, peut-être vous ressemblez beaucoup quand même dans votre vie. Et peut-être aussi, donc il va venir avec les propositions dans votre vie. C'est possible que vous aurez le choix pour changer votre vie. Et c'est quelqu'un qui est célibataire en ce moment. Et vous savez, il cherche peut-être sa campagne. Il se pose beaucoup de questions philosophique, peut-être par rapport à vous. Et vous savez, il fait attention à tous les détails. Peut-être en ce moment, il analyse la situation, donc à sa vie, pour trouver des réponses. Donc voilà. Et vous savez, c'est aussi la carte de perfectionnement. Vous savez, c'est quelqu'un qui souhaite, justement, nous avons vu, il fait attention à tous les détails. Il veut peut-être donc avoir la vie parfaite, la relation parfaite avec vous. C'est possible. Eh bien, très intéressant. Qu'est-ce que nous devons savoir d'autre? Qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette personne? Vous savez, il y a peut-être une situation difficile qui vient de se terminer, peut-être une relation qui s'est arrêtée. C'est pour ça, donc en ce moment, la personne, il est seul. Eh bien, qu'est-ce que nous devons savoir? Mais la carte du gagnant, alors vous savez, vraiment, il est orienté vers la victoire. Je pense que les difficultés, ça ne lui fait pas peur. Il veut vraiment attendre son résultat, ce qu'il souhaite dans la vie, par rapport à ses désirs, ses projets. La carte du gagnant, et en même temps, ça me montre cette envie, passion qu'il a aussi dans sa vie. Et vous savez, peut-être aussi des autres, ils peuvent remarquer donc son résultat dans sa vie. C'est possible, malgré peut-être les difficultés qu'il a eues, il souhaite vraiment que sa vie évolue, perfectionner sa vie, c'est possible. Et le soleil, alors ça c'est positif, ça me montre quand même que la personne, il est orienté vers le bonheur, donc des bons sentiments dans le futur. C'est toujours la carte du succès, réussite, mais c'est plutôt vraiment, vous savez, c'est des bons sentiments, bonheur, que j'ai quelqu'un dans ma vie avec qui je me sens tant confortable, des bons sentiments, vraiment l'amour, c'est ça, et je prends plaisir dans la vie, et c'est aussi la carte de vacances, c'est ça qui souhaite la personne, donc il est orienté dans sa vie vers ce bonheur. Donc voilà, et bien nous avons vu un petit peu la personnalité de cet homme. Et bien, qu'est-ce qu'il a envie par rapport à vous? Des sentiments, ses envies, qu'est-ce que nous devons savoir? Et vous savez, tout de suite, j'ai la carte de tradition. Et bien, peut-être vraiment, donc il a ses valeurs dans sa vie. Peut-être, donc il souhaite avoir une relation stable dans vos futurs, la relation traditionnelle. Et bien, c'est ça qu'il souhaite. C'est pour ça qu'il veut perfectionner vraiment sa vie et avoir ce qu'il souhaite. Et c'est important pour lui. Il ne veut pas avoir le résultat médiocre. C'est possible, et bien. Et vous savez, il souhaite se battre aussi. Donc, dans sa vie, il souhaite montrer ses envies, ses désirs. Donc, il ne veut pas changer cela. Donc, ses projets dans le futur. Il veut montrer, donc, sa personnalité. Qu'est-ce qu'il souhaite? Il souhaite aussi commencer un nouveau projet avec vous. Mais peut-être, au début, il aura une approche avec l'amitié. Peut-être, vous pouvez faire quelque chose ensemble. Vous pouvez vraiment le connaître dans votre milieu, donc, d'amis. Donc, voilà, c'est possible. Et bien, et vous savez aussi, il va se montrer quelqu'un intelligent, donc il aura beaucoup de communication avec lui. Il souhaitera développer votre relation, donc il va vous parler de ses projets dans le futur. Et bien, qu'est-ce que nous devons savoir d'autre? Et le monde, alors ses désirs par rapport à vous, justement par rapport à sa situation difficile qu'il a eue, donc dans sa vie, il souhaite commencer une nouvelle étape, mais avec vous. Vous savez aussi, peut-être après une connaissance, le temps qui va passer avec vous, il souhaite commencer comme une nouvelle étape, une nouvelle page, et peut-être vous, c'est la solution pour lui, pour avancer dans sa vie. Donc voilà, et bien, et regardez à la question qu'est-ce qu'il souhaite, ben c'est ça, vraiment, il souhaite montrer sa passion, donc il souhaite vous apporter avec lui.
Donc, peut-être c'est vous qui pouvez changer sa vie et lui donner ce bonheur qu'il attend pour son futur, c'est possible. Mais c'est vraiment en même temps quelqu'un qui est actif, motivé. Justement, nous avons vu cette carte de gagnant. Qui il fait un objectif dans sa vie, il va voir jusqu'à résultat. Il vraiment cette envie de montrer ses désirs, ce qu'on voit ici. Et vous savez, vous allez vous montrer aussi quelqu'un qui analyse la situation, et bien peut-être vous n'allez pas montrer tout de suite vos sentiments. Et lui, il vous voit comme ça, que vous êtes quelqu'un intelligent, peut-être que vous êtes un petit peu froide aussi, donc c'est possible. Et bien, comment ça peut évoluer votre relation? Qu'est-ce que nous devons savoir? Vous devez compter sur votre intuition. Et bien, peut-être aussi, donc au début, il y aura des sentiments cachés, que vous n'allez pas tout savoir par rapport à ses projets, donc c'est possible, mais vous devez compter vraiment sur votre intuition. Alors ça c'est très intéressant parce que sur la question comment votre relation peut évoluer, peut-être vous avec lui vous allez vous sentir mais heureuse femme, et c'est aussi une femme qui a un statut, donc voilà, peut-être dans le futur il y a une relation traditionnelle qui vous attend avec cet homme. Et bien qu'est-ce que nous devons savoir d'autre? Et peut-être aussi vous allez avoir un peu d'inquiétude par rapport au futur, vous allez vous dire que non, je ne peux pas changer ma vie, donc voilà. Voilà, il aura aussi un peu de temps de patience. Peut-être qu'il n'y aura pas des événements brutaux tout de suite, des changements brusques. Dans ce temps, ce cas, vous pouvez prendre ce temps pour analyser votre vie, vous poser des questions. Donc voilà, et bien, et vous savez, lui aussi, il va se montrer quelqu'un qui fait son plan, sa stratégie. Il va penser comment il peut changer votre vie, comment il peut s'adapter à vous. Donc voilà, et bien, quel sera le résultat? Il va commencer une nouvelle étape. Vous savez, dans votre vie, et peut-être vous prenez ce risque avec vos inquiétudes, mais vous vous lancez avec cette curiosité, donc avec cet homme dans le futur. Et bien, qu'est-ce que nous devons savoir d'autre? Il y a empereur, mais regardez, c'est magique parce que vraiment, au début, cet homme, il nous montre qu'il a des sentiments, donc vis-à-vis de vous, il cherche à avoir le bonheur dans sa vie. Il arrive dans votre vie avec sa passion, ses sentiments, et regardez, après, vous êtes empereur et impératrice. C'est ça les résultats qui vous attendent dans le futur. Peut-être vous serez donc en couple, c'est possible. Mais vous savez, je dois vous dire que peut-être à la fin, il va se montrer vraiment quelqu'un déterminé, qui peut-être va prendre de grandes décisions. C'est possible. Et vous pouvez tout à fait vous correspondre l'un à l'autre par rapport à votre caractère. Vous avez besoin d'un homme fort. Donc lui aussi, il fait attention aux détails. Il cherche une femme idéale pour lui. Donc voilà, pour que sa vie soit peut-être parfaite dans le futur, il cherche cet perfectionnisme. Donc voilà, dans sa vie, eh bien, je veux voir la carte de conseil. Comment vous devez vous comporter? Vous savez, si vous avez eu une déception dans le passé, alors vous devez l'oublier. Donc vous pouvez tout à fait changer votre vie. Donc nous avons vu que la vie difficile se termine. Eh bien, et vous devez vous battre aussi la carte de concurrence. Donc si vous avez des difficultés dans votre vie, vous devez vous battre, ou peut-être monsieur, si vous avez autour de vous donc d'autres personnes, et eh bien il va se battre pour vous, pour avoir vous dans sa vie. Et vous savez aussi la carte qui nous montre que vous devez compter toujours sur votre intuition, donc sur les pressentiments que vous avez et vraiment vos désirs les plus profonds. Alors vous devez essayer de les développer, et ce que vous souhaitez dans le futur, et ça va compter énormément. Donc et vous devez les réaliser. Et regardez la carte du diable. Alors ça nous montre que avec cet homme, vous allez avoir une tentation donc dans votre vie, mais quelque chose mais très important. Et bien avec ces énergies, donc nous avons vu, donc il va vous donner cette envie et désir, peut-être il y aura la passion qui va arriver avec lui, et vous commencez cette nouvelle étape. Donc voilà, et cette carte de diable, c'est la tentation, peut-être aussi cette attirance que vous avez, et vous pouvez vraiment vous attacher l'un à l'autre. Donc c'est possible. Eh bien, très intéressant ce que je dois vous dire. Donc un homme qui rêve de vous, eh bien, nous avons vu quand même des détails de sa personnalité, qu'est-ce qu'il souhaite et comment votre vie peut évoluer. Eh bien, je vous souhaite beaucoup de passion dans votre vie, bonheur, réussite, et bien sûr, le destin vous appartient.